vous réveillez? Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur-là. Maudit sombrage. Bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous, là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi. Ulfric? Le Jarl de Vendôme. C'est vous qui venez là. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, parlez de Dieu, vous en avez-il? Aucune importance. Sauvez le garde et au bout du chemin. C'est impossible. C'est impossible. Eh, de quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Regardez, Général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmors sont avec lui. Sataniel. Je parie qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Helgen. J'y ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous. C'est une erreur. Vous avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanélistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer! Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous, là, avancez. Qui êtes-vous?
Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Capitaine, que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va au bio. À vos ordres, capitaine. Désolé. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Suivez le capitaine. Ulfric Sombrage. Certains ici et Helgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien, continuez. Oui, Général Petus. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aetherius. Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous voulez. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Aetherius. Pouvez-vous en dire autant ? Justice! Mort au Sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Maintenant le Nordique en haillons. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant! Allez, au bio! Et dans le calme. Sentinelle, que voyez-vous? Il est dans les nuages. Par les cieux, un dragon! Comment est-ce possible? Ne restez pas proche de l'ennemi. Meurs, pour l'amour de Dieu, meurs! Les légendes auraient-elles dit vrai? Les légendes n'incendient pas des villages entiers. Il faut y aller maintenant! Par la tour, allez! Allez, moi, dans la tour! Sur notre tour. Nous devons juste déplacer. Avec moi, dans la tour! Dégagez-vous. Revenez! Sautez sur le toit et continuez. Allez, on vous suit dès qu'on le peut. Gah! Amig! Amig, venez par ici, tout de suite! Beau travail, vous faites des merveilles. Dorol! Reculez! Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, Atvar. Il arrive! Restez près du mur. Espèce de traître, hors de mon chemin!
On s'enfuit, Alvar. Il ne nous arrêterait pas cette fois. Très bien. J'espère que ce dragon vous enverra tous à sauvegarde. Ne le quittez pas voilà. Des yeux. Venez, dans le sang. En avant, avec moi. Je pourrais vous libérer à l'intérieur. Venez. Nous sommes les seuls à en être sortis. Aucun doute, on ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Et voilà. Prenez l'équipement de Cunard quand vous y êtes. Il n'en aura plus besoin. L'armure de Cunard ne lui sert plus à rien. Prenez-la. Très bien. Mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. Ah, c'est verrouillé. Bon sang, on ne pourra pas l'ouvrir de ce côté. Allen, vous arrêtez pas. Imperio, à couvert. Ouvrez cette porte. Fichons le camp d'ici. Ça y est. Venez, partons d'ici avant que ce dragon ne nous fasse tomber toute la ville sur le crâne. Prenez tout ce qui est important et partons. Le dragon est en train de tout brûler. J'ai seulement besoin de rassembler plus de potions. Prenez ces chapes. Une réserve. Essayez de trouver des potions, on en aura besoin. Terminé. Ne restons pas ici. C'est un troll. C'est une sape. De ce dragon. Chien d'Imperio. Une seconde. Ils sont prêts à toutes les passesses. Gage. C'est fermé. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On pourrait avoir besoin de cet or quand on sortira. Prenez ce dont vous avez besoin et allons-y.
par ici. Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Je ne vais pas attendre de me faire tuer par un dragon. Il faut une oublie des sombrages. Cette année traître. Les gratitudes. Arrêtez. La sortie est en nous. Allons-y. Voyons où ça mène. Les autres trouveront une autre issue. Pour nous. Allons-y. Ça ne mène nulle part. Je crois que nous allons devoir essayer par là. Ah.
déteste ces horreurs. Comprenez ? Un instant! Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Je préfère l'éviter pour le moment. Nous pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y tout doucement, et attention où vous mettez les pieds. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ça pourrait la surprendre. Passez devant. Je couvre vos arrières. Attendez! Il s'en va. On dirait que c'est pour de bon cette fois. Impossible de savoir si d'autres s'en sont sortis en vie. Mais ça va bientôt grouiller d'impériaux ici. On ferait bien de déguerpir. Ma sœur Gerdur tient la scierie de Rivebois plus loin sur cette route. Je suis sûr qu'elle accepterait de vous aider. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Ma sœur Gerdur, il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide.